Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Sa collection de tomates est impressionnante. Jean-Marc Parra cultive 730 variétés de tomates anciennes. Son objectif, produire des fruits qui ont du goût. À l'origine de sa passion et de son métier, un vieux voisin jardinier, amateur lui aussi de tomates. En fait, j'ai fait un jardin avec un vieux voisin qui avait déjà quelques graines anciennes comme la noire de Cosbeuf, la douce des Picardies, la marmande jaune, etc. Il avait plein de variétés comme ça. Et j'ai commencé avec lui, c'était marrant. Bon, ils avaient un autre goût et puis j'ai toujours eu du goût pour le jardinage de toute façon, parce que je suis un maraîcher et fils de maraîcher. En plus à Marmande, donc pays de la tomate, j'ai été assez favorisé. Puis en commençant les expos, ben, j'ai rencontré des collectionneurs, on a échangé, on a fait plein de choses, etc. Alors au début, j'ai recueilli le maximum de variétés, puis il y en avait qui n'avaient pas trop d'intérêt parce que trop fragiles ou pas assez productives, etc., qui intéressaient moins les gens, donc je me suis plus attaché à des variétés costauds et à des variétés qui avaient du goût. C'est des vieilles variétés, oui, fixées, donc on peut récupérer sa graine, etc., on peut faire plein de choses et on peut surtout se régaler. J'ai envie de faire une grosse salade avec de la mozzarella. Quelle variété vous nous recommandez ? De mozzarella ? Non, de tomate. Non, de tomate. Eh bien, n'importe laquelle. Je vais dire n'importe laquelle. Mais bon, vous parlez mozzarella, bon, de suite je pense à Costaluto Genovese. C'est une tomate qui a servi à fixer Marmande, par exemple. C'est une vieille variété italienne et ça va bien avec mozzarella. C'est une tomate qui est très goûteuse, pas forcément jolie. Si elle est très côtelée, mais elle est très goûteuse toujours. Je veux faire des tomates farcies, je prends quoi ? Chez vous ? Ben, ça dépend, si vous voulez faire une tomate familiale, vous prenez un gros fruit comme potiron écarlate qui peut arriver au kilo. Après, si vous êtes radin, vous prenez des tomates cerises. C'est plus compliqué à farcir. Je rigole. Mais non, mais il y a des tomates. Il y a des tomates qui sont un peu creuses et qui servent comme poivron jaune, par exemple, ou green bell pepper, qui sont creuses déjà. Pratiquement qu'à mettre la farce, mais bon, la chair est bonne, quoi. Je veux des tomates à grappiller sur mon balcon pour mes enfants. C'est tomates cerises. Ben, quand vous les cultivez en pot, vous réussirez mieux les tomates cerises que les gros fruits, forcément. Il fera moins à manger pour le pied et vous en profiterez plus, quoi, voilà. Les brins de muguet, je sais pas, jaune flammé, il y a plein de variétés. Il y en a des jaunes, il y a des bleus que j'aime bien, Fahrenheit Blue par exemple. Je l'aime bien, reste assez ferme. Il y a une infinité de variétés, voilà.